Salut les gars, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On est aujourd'hui samedi, c'est un autre club qui est à Genève, c'est le Geneva Model Car. C'est un club pour la piste, pas pour le TT. Et là actuellement se déroulent les Geneva Series, petite compétition propre à Genève, propre à ce club, en plusieurs manches, 6. Et là aujourd'hui c'est la première manche, donc on va regarder tout ça, je vais vous montrer tout ça. Allez, à toutes. Voilà, petit tour d'horizon de la piste. Donc comme on peut voir, en fait, il y a le podium qui est juste ici avec du matériel dessous, un premier container où je pense qu'il y a le chronométrage actuellement, tout ça, puis un deuxième container avec la buvette et tout ça, et puis les participants et tous ceux, les membres du club quand ils viennent rouler, ben voilà, ils sont tout autour de la piste avec des tentes. Donc il faut un petit peu de matériel de camping. Non, mais enfin, un petit matériel pour bien s'installer, confortable. Il y a des prises électriques tout le long pour pouvoir charger ses batteries. Le thermique n'est pas permis sur ce circuit. Et puis, ah oui, j'ai pas dit, il y a en bout de podium, en fait, un élévateur pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un espace de jeu, de compétition, de modélisme disponible et accessible à toute personne. Voilà, alors là, actuellement, on est dans les dernières manches de qualification. Et après, il y aura tout de suite les finales. Donc, le principe, c'est qu'en fait, il y a des essais chronométrés. Les essais chronométrés, en fait, donnent un peu un ordre dans lequel regrouper en fait les différentes forces. Ensuite, se déroulent des qualifications. Et après, les qualifications, il y a 4 qualifs en fait. Là, c'est la 4e. Il y a eu la pause de midi juste avant. Et là, voilà, c'est une des dernières qualifs. Et après, ce sera parti pour les finales. 5, 4. Et c'est parti. C'est un départ relativement propre, c'est bien passé, Maxime a pris le large. Alors, c'est les finales des tractions. Et ensuite, Antonio. On va laisser un petit peu les choses stabiliser. 30 secondes s'est passé pour le moment d'un mec. En tête devant Jérôme, Antonio, Lionel, Tonio, Sophie, Francisco et Julien. On va toucher un peu, mais c'est reparti sans problème. Erreur d'Antonio, mais ça repart. Et reste 3 minutes environ, donc on a. On va laisser le timing passer. On a Maxime, Jérôme qui vient de passer Antonio. Antonio en troisième, Tonio en quatrième. Maxime avec
7 et Antonio en 13. Il y a quelqu'un qui a tapé, j'ai pas vu malheureusement. Non, c'est pas beaucoup de chance. Non, je ne sais pas qui est. Un accrochage entre Antoine et voilà. Merci Antoine, bravo. Parfait, très fort. Daniel, Antoine, Joséline, Olivier et Lisa. Daniel va prendre pour le signoté du terrain sur Sergio. Là, il a plus qu'une ligne droite de retard sur Sergio. C'est mettre autour du cou pour faire une câble. Merci Sergio. Fais une câble, c'est pas mal. Donc là, on a une manche des petits. Enfin, c'est la manche Touring Car, rookie. La Elio Elliott, c'est parfait. Pour le moment, c'est Elio qui est en tête, mais juste derrière, il y a Elliott. Il reste 4 minutes de course. Ah, toi, c'est pas grave, on revient sur la piste. Fais mes tours, pas de soucis, voilà, c'est parfait. Voilà, les premières expériences de circuit. C'est génial d'avoir une discipline comme ça, ça permet de, voilà, de remettre le pied à l'étrier et ben voilà, ça... Ça leur fait une petite compétition. Rares sont les clubs qui font ce genre de choses. Thank you.
Marseille. Là. C'est les finales qui se préparent. C'est la finale de Grigny. On est passé à travers là, il a raté pour sortir à Romain, il a rentré tout sur le haut. Il y a justement sur le temps environ 2 secondes, qui est suivi par Romain qui a reçu la première place, qui est allié, pas trop relancé. Cinq, quatre. Alors, quelques petites touchettes, ce départ pas encore de France, mais c'est pas grave. C'est fait, Mathieu, se lève. Attention, exactement les deux droites. Alors, le radio Nicolas, c'était l'ordre au dernier tour. On va regarder maintenant. Et c'est toujours l'avant Guillaume Nicolas. Alors, Guillaume qui a l'air très très chaud et qui est en train d'attaquer notre ami Laurent. Il est roue dans roue, il arrive dans la route, dans le chronométrage. Le plus fast et la ligne droite, Maxime, attention, si jamais tu veux avoir les deux leaders. Soit je te préviens un peu à l'avance. Je te remercie, c'est parfait. Allez, Guillaume qui attaque. Guillaume qui tente l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. Dans le retour, il se jette, non, ça passe propre. Roudon avec Laurent et encore 4 minutes à tenir pour Laurent pour gagner cette dernière finale. Les deux pilotes sont dans la ligne droite. 3 minutes à tenir, 3 minutes à tenir depuis ces pilotes. Alors on qui attaque pour des risques sur les livreurs. Guillaume, Laurent, Nicolas, Christophe, Alex, Georges, Rodrigo et Maxime. Guillaume arrive à avoir un peu d'air frais, il a monté un second d'avance sur Laurent. Est-ce que Laurent va réussir à remonter? On est à mi-course. Donc c'est toujours Guillaume devant avec la voiture blanche et Laurent. Et Laurent qui a passé devant. Laurent, ah Maxime, veux-tu bien ouvrir s'il te plaît, tu es le leader. Merci beaucoup Maxime, merci. Donc Guillaume est repassé devant. Là, donc, Guillaume juste. Non, Laurent juste derrière Guillaume. Voilà. Cristobal 3ème, Georges 4ème, Nicolas 5ème, Alex 6ème, 30 secondes. Maxime 8ème. Toujours Guillaume devant, toujours, toujours, toujours. Et Laurent est juste derrière. Aïe aïe. Ah. Ah. Oh là, petite touchette entre Guillaume et Laurent. Aïe. Non mais ça va, ça va, vite tranquille. Ah, on est tout à fait entre Laurent et Guillaume. Voilà, laissez passer Laurent s'il vous plaît. Merci voiture beaucoup. 7. Voiture 6. Voiture 6. Voiture 1, voiture 5, voiture 3. 5, 4. Et c'est parti. Alors, très joli départ. Petite touchette à la fin. Bastien, ah, touchette entre Bastien et Arnaud. Arnaud en profite. Paul en embuscade. Allez, Paul. Ça va passer. Arnaud qui commence déjà à creuser, toujours en ligne pied, Arnaud. Bien à l'aise dans les parties sinueuses. Et c'est Sébastien qui ravit la troisième place à Paul. Une magnifique cinquième place. Quelle pression. Et Arnaud qui creuse. On va voir les écarts.
Il y a deux nouvelles sorties pour Marc et c'est Cyril qui en profite. Et devant, Sébastien qui a réaccroché le train d'Arnaud. Voilà, Arnaud qui ferme toutes les portes. Sébastien, c'est sa chance, il va pouvoir peut-être retrouver les deux leaders. Sébastien qui attaque. Ligne droite, bonne ici. Et ça passe. Voilà. Il cherche la faille. Non, il ne veut pas. Ah ouf, presque, on n'est pas passé loin. Et Paul qui raccroche le train de Sébastien. Entre les deux leaders, on a 0-2. C'est assez stable. Et entre Paul et Sébastien, il y a une demi-seconde. Alors, les deux leaders. Ah, il y en a qui crache pour Marc. Ça repart, pas de problème. Alors, Steve, Marc, vous allez juste s'approcher de vous, faites attention. Et puis ce sera Cyril. Vous, Paul, c'est un peu distancé par Sébastien. La bataille des Antilles. Sébastien qui essaye sur. Et toi qui rentre le train de Sébastien. Voir les différences. Arnaud-Bastien, 0-1 d'écart. Très serré. Ensuite, Sébastien Paul. Bascule une seconde. Sébastien stabilise bien son avance. Steve, il va tourner derrière toi, c'est le numéro 3. Pareil pour Marc après. Il a encore un peu de temps. Toujours la bataille devant. Pas la moindre erreur. Et ça attaque. Et bon, pression, oui, ça passe pour Bastien. Une droite. Et non, il est à l'extérieur. C'est pas passé. Cyril, tu feras attention, les deux leaders arrivent. Alors, voyons voir la ligne droite. Sébastien qui remonte comme une flèche. Mettre pas suffisant. Oh, hop là pour Arnaud. Bastien qui bat. Ah là là, c'est la sortie pour Arnaud. Merci Bastien. Super, bravo. Fair play. Il reste une minute. Ah, c'est un peu chli. On va attendre un petit peu pour stabiliser tout ça. On fera un petit décompte. Alors. Sébastien en tête, suivi de Arnaud, Paul, Bastien, Vincent, Cyril, Steve et Marc. Il y a ce tour. Papa, il faut pas stresser parce qu'il y a Bastien derrière. Non, parce que t'as encore Steve qui vous shot, c'est bon. Bon, ben, Paul, t'as Bastien lui derrière toi. Bon courage. Hasta vu. 30 secondes de course. Alors, toujours Sébastien en tête avec 2 secondes sur Arnaud. Sauf erreur, Sébastien devrait remporter cette troisième finale. Et voilà, Bastien qui colle aux fesses de Paul. Il va falloir sortir toute ta science, Paul. Bon, trop tard. Désolé. Alors, Bastien qui veut recoller le train de Arnaud. Donc, Sébastien toujours en tête, c'est le dernier tour pour tout le monde. Finissez vos tours. Allez, attention au début de ligne droite. Voiture 6, voiture 4. Magnifique victoire de Sébastien. Suivi de Arnaud, Bastien, Paul, Vincent, Cyril, Steve et Marc. Félicitations à tous. On va directement enchaîner avec la remise des prix. Voilà, c'était la dernière manche de la finale A. On se voit tout à l'heure. Bien les gars. Cette journée sur le circuit du Geneva Model Car se termine. J'y ai pas passé la journée, j'y ai passé juste une partie de l'après-midi. Je suis arrivé en fin de qualification. Vous avez pu voir en fait des runs en fait des petits bouts, des finales, de la fin des qualifs, des finales, différentes. Catégories dont après la finale deuxième manche des finales A et B, je les ai faites en live sur Facebook.
Et puis là, c'était les finales, la dernière manche des finales. Donc, il y a eu des belles manches. C'était assez équilibré. Ce qui était pas mal, c'est qu'en fait, voilà, ils ont les catégories en fonction des essais chronométrés. Voilà, les gens, ils ont été mis au bon endroit. Donc, c'était assez homogène. Et c'était ça qui était plaisant. Un règlement pas trop contraignant. Et je pense que c'est pas mal. Là, derrière moi, il y a la remise des prix, donc je vais pas la filmer, on va les laisser entre eux, et puis on va finir. Donc c'était très plaisant, super piste, et puis on se voit pour une prochaine vidéo et une prochaine fois. Tchuss! We'll be right back.